Je me sens romantique aujourd'hui. Je vais te jouer une ballade du duo de compositeurs George and Ira Gershwin, le frère et la sœur, qui se sont entendus pour composer cette magnifique ballade qui s'appelle « Someone to watch over me », ce qui signifie « Quelqu'un pour me surveiller ». Ouais, bon. Je vais te jouer cette ballade sur une bête de course en si bémol, et à la fin de la démonstration, je t'expliquerai comment toi aussi tu peux le jouer, ce morceau.
Ok, tu l'as aimé? Super. Alors si tu as envie de jouer ce morceau, eh bien c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le « i » comme invitation ou sur le lien en bas de la vidéo dans la zone de description. Comment ça va se passer pour toi? Eh bien déjà, il faut que tu sois de niveau 2. En effet, si tu en es encore au niveau 1, c'est-à-dire si tu ne sais jouer que les notes naturelles soufflées et aspirées sur ton instrument, bah, tu vas avoir un peu de mal à jouer ce morceau car il y a des altérations. On altère beaucoup dans le grave et un petit peu dans le médium. Donc si tu en es aux altérations aspirées, si tu commences à les travailler, ça peut être une bonne idée de prendre ce morceau pour justement apprendre à placer tes altérations et à travailler les timbres. Il y a vraiment des timbres magnifiques que l'on peut obtenir grâce aux altérations aspirées dans ce morceau notamment. J'utilise une méthode en cette vidéo qui te permet de partir de la partition, même si tu n'as jamais fait de solfège de ta vie, on voit ça en vidéo ensemble, et tu suis les 7 étapes jusqu'à arriver à l'interprétation et même à l'improvisation. Ok, on fait comme ça. Donc le « i » comme invitation ou le lien en description de cette vidéo pour apprendre à jouer cette superbe ballade des frères et sœurs Gershwin. Allez, on se retrouve samedi prochain, samedi, oui, mais samedi midi.